ولن نؤمن لرقيك ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا صدق الله العظيم. Être l'eau calme sur tes pieds et ton visage, et que l'ombre de notre cour soit fraîche à ton cœur, me dit-elle. Ses mains polies me revêtirent d'un pagne de soie et d'estime. Son discours me charma de tous mes délectables. Early in the morning, a long way back up because I gotta find my way to the Lord. No need to stand up, get never to warn it, which makes me know where we are. Buena música y mejor música, ya lo sabes. Escúchalo. Si tú te vas, que tú te vas. Kiss la, goddamn my heart la. Goddamn losing my heart la. Kurabi nema just like my knob la. Sometimes I ask myself if I can find someone like you. Sometimes I like some bubble nak yalla bin dem na kenen ku mel ni yam. Fina kita lampu fitna baby don I'm chum. Magyo ji sunu gal don di ture mi du gala chidi ko chum. I like that. Yes I know that you like that. Di la fun she like that. Jok mamo de pas bi ma connecte. Huar lola adina na wak yao bese chem sie. My baby mehul benehul me kis na ni kiama tai. Oh oh, man baku mala kis ngay jai. My baby, man kis na ni kiama tai. Oh, man, bagu malakis ngay chay. Bagu malakis ngay chay. Man, kis na ni kya matay. I love you, and I need you. My baby, I love you, I do. My sunshine, yaw lang masadon. Jaro diamond. Hold my hand and let me take you so far away. The way you're touching me drive me so crazy.
every night and day. So can you knock a low knock new monjurai, baby? So nice and sweet, yeah. I like that. Yes, I know that you like that. The love phone, she like that. Jok mo mo the pass, be mo connect that, yeah. Oh, why, oh, why? Man so may rai, may lock. Oh, why? Echul ben echul me kiss na ni yamatai. Oh oh, man pagu malagis ni chai. My baby, man kiss na ni yamatai. Oh 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 oh, pagu malagis ni chai. Gotta wake up early in the morning. A long way back up because I gotta find my way, the Lord, Lord, need to stand up, get everything running. Messieurs, bonjour et merci de choisir les programmes de la RTS1. Bienvenue. Hier, si vous avez regardé le magazine de bout en bout, eh bien, nous sommes longuement revenus sur l'inauguration du pont de Farafeigné. Et ce matin, sur le plateau également, nous reparlons de l'actualité transport avec Monsieur Aliou Soum qui nous accompagne ce matin, secrétaire administratif du Syndicat national des travailleurs des transports routiers. À ses côtés, il y a notre invité. Le deuxième de ce matin, il s'agit de Monsieur Abdoulaye Seck qui est professeur de marketing. Alioune Badarakan interroge nos invités pour vous. Et si vous avez des questions, c'est maintenant qu'il faut nous les envoyer puisque nous sommes en direct et nous recevons tout cela sur notre page Facebook. De l'autre côté, les chroniques de ce matin avec Massamba, nous parlons éducation donc, et Anta, buzz du net. Vous le savez, Tafa effectue les déplacements pour l'équipe de la matinale. Eh bien, nous attendons le retour de Tafa et de Philomène dans l'équipe pour nous renforcer. Et d'ailleurs, ce matin, on leur souhaite un bon réveil et un bon matin. Pour démarrer le magazine, vous le savez, c'est le bulletin météo. Juste après, nous ouvrirons le bloc d'infos avec la revue des titres et le flash qui vous sera présenté par René Léon Fonseca. On n'oublie pas la capsule gym avec le coach Tandara. Merci de votre fidélité. Voici tout de suite la météo. I gotta wake up early in the morning.
Il est 6h38, une pensée particulière pour tous les natifs de ce jour, 22 janvier 2019. Et nous allons penser particulièrement à Madame Ndoye, la femme de Doudou Ndoye, qui est menteur infographe dans l'équipe de la matinale. On lui souhaite plein de belles choses en cette journée. Et l'équipe passera tout à l'heure pour le gâteau qui sera probablement soufflé aux parcelles, c'est ça, si je ne me trompe. Allez, on vous embrasse encore une fois. Joyeux anniversaire. Place tout de suite à la capsule gym avec le coach Tandara. On se retrouve tout juste après. Gotta wake up early in the morning. Mesdames et messieurs, bonjour. Alors, coach Ngom, bonjour. Bonjour, coach Sandara. Alors, je suis très heureux, véritablement, eh bien, de retrouver cette petite lagune, alors le lac du parc artificiel. Alors là, c'est vrai que cela faisait un moment. Quand bien on est revenu, quand bien même, justement, eh bien, à ce lac que j'aime bien. Alors, coach Ngom, aujourd'hui, on va faire l'aérobic, surtout basé sur la taille. Alors, la taille, c'est vrai, explication. Oui, la taille, comme vous avez l'habitude d'expliquer de façon explicite, Coach Sandara, la taille, c'est tout ce qui est en rapport avec le physique. Et pour avoir une bonne taille, il faut surtout solliciter les côtés. Et pour avoir une bonne taille aussi, il faut insister au niveau du centre du corps et au niveau des fessiers. Si vous voulez une taille Coca-Cola et autres, là, et c'est le moment de suivre cette partie gym aérobique axée uniquement sur la taille, avec ce qu'on appelle le step out. Comme vous le savez, en fitness, il y a des pas et les noms des pas, les noms de chaque pas comptent beaucoup. Et nous allons vous proposer uniquement le step out et comment ça se fait, et tout de suite, Coach Sandara. Alors, le step out, mesdames et messieurs, retenez bien. Alors, vous allez imiter et vous allez faire, je suis persuadé que vous allez en tout cas trouver le bon mouvement. Alors, tout de suite, le coach Ngom, le groupe. C'est parti. Alors, mesdames et messieurs de l'aérobic par excellence, avec ces moments assez basiques. Alors, le coach Ngom entouré du coach Arthur et du coach Diego. Alors ça, ce sont des habitués de cet exercice. Allez, là, comme un certain body step, mesdames et messieurs, regardez ce moment d'ensemble qui est assez beau. Et puis la bonne oxygénation, mesdames et messieurs, puisqu'ici, eh bien, on respire véritablement de l'air pur. Voilà, et comme ça, ça vous fait un très bon travail taille avec cet exercice véritablement aérobique. Voilà, alors c'est terminé. Coach Ngom, c'est vrai, cet aérobic-là, évidemment, j'en vois qui ont véritablement bien apprécié. Hein. Bien apprécié parce que c'est une gym d'endurance qui n'est pas du tout difficile avec des pas de base très basiques, comme on a l'habitude de dire. Troisième âge comme deuxième âge peuvent le faire. Et voilà, Coach Sandara, ce qui est de la taille, on a juste augmenté le twist, c'est le mouvement de rotation pour mieux cibler les abdominaux. Mais en tout cas, si vous voulez avoir une bonne taille, allez-y doucement et surtout de façon spécifique les mouvements step out que vous pouvez répéter à la maison, coach. Voilà, mouvement assez basique, mesdames et messieurs, mais aussi cette endurance qui nous a beaucoup plu avec cet aérobic. En tout cas, coach Ngom, le rendez-vous, c'est demain. Inch'Allah. Allez, à demain, mesdames et messieurs, passez un bel après-midi. Merci messieurs, demain troisième rendez-vous sur la matinale et avec la capsule de nos deux coachs. René, bonjour et bienvenue. Bonjour, ça va? Merci, ça va bien. En forme ce matin? Très en forme. Hein. Toujours au on plat. Est mardi en plus. Un jour très différent du lundi. Allez, place tout de suite au flash avec toi.
gotta wake up early in the morning. 6h43, les titres de l'actualité. René, c'est parti. Mesdames et messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver pour cette édition de la matinale à la une de l'actualité. Ce matin, l'inauguration hier du pont construit sur le fleuve Gambie à Farafeigné. C'était en présence des chefs d'État du Sénégal et de la Gambie. Ils ont coupé le ruban avant de traverser ensemble l'infrastructure en ouvrage baptisé Sénégambian Bridge, ou si vous le voulez, le pont de la Sénégambie, des temps forts que les populations ont vécu avec beaucoup de satisfaction. On le verra, le chef de l'État qui a aussi visité le centre de formation professionnelle de Niort, c'est le fruit de la coopération entre le Sénégal et le Luxembourg. Ce centre a coûté environ plus d'un milliard de francs CFA et va répondre à un besoin de qualification des jeunes de la zone. Vous entendrez le chef de l'État. Dans l'actualité également, l'inauguration ce mardi par le président de la République de l'autoroute AIBD Mourtiès. 55 km en tout qui vont permettre d'améliorer la mobilité dans cette partie du pays. L'ouvrage a permis de désenclaver plusieurs localités, dont Malikunda. Sur place, on verra, les populations se félicitent de cette infrastructure en politique. Sachez que les 5 candidats à l'élection présidentielle sont connus. Décision officielle du Conseil constitutionnel. Macky Sall, Ousmane Sonko, Issa Sall, Idrissa Seck et Madi Kenya. Cheikh Bamba Gueye nous les présente dans un instant. Voilà pour l'essentiel du menu de ce mardi matin, mesdames et messieurs. Restez avec nous. Le développement de tout cela, Sarah, ce sera aux environs de 7h25, comme à l'accoutumée. Tout à fait, mon cher René. À tout à l'heure pour le bulletin d'infos complet. En attendant, je vous propose de poursuivre le bloc d'infos avec la revue des titres. Il est 6h45, voici pour démarrer ce matin la une du quotidien Direct Info. Et vous le voyez, Direct Info qui noircit donc sa première page ce matin avec la photo des deux chefs d'État, sénégalais et gambien, le président Macky Sall et Adama Barrow. Macky réussit là où tous les régimes ont échoué. Titre Direct Info à sa une ce matin, et c'est pour rappeler l'inauguration du pont de la Sénégambie. Nous poursuivons avec le quotidien. Le quotidien, après la publication de la liste des candidats, cette fois-ci dans la politique, le C25 parraine la lutte. Il y aura confrontation par tous les moyens. On va s'opposer au déroulement de la campagne. Ça, ce sont les propos des responsables du C25 Dakar Times. Nous restons dans la sphère politique avec le premier jet d'un entretien exclusif ce matin. Wade se confie à Dakar Times, à lire en intégralité ses propos donc dans les colonnes du même quotidien. Vous découvrez donc à la une la photo de Maître Abdoulaye Wade. Source A maintenant. Source A, avec ses propos du ministre Mambagnan aux membres du C25. Mambagnan qui, aux membres du C25, autant pour moi, qui menace Macky Sall et sa campagne électorale. Il dit, on est prêt à faire face. Nous poursuivons avec la une du quotidien LOPS, quotidien du groupe Futur Média, sur l'organisation du scrutin du 24 février 2019. Réunion secrète sur la présidentielle à Lingui et 4 anciens ministres de l'Intérieur se retrouvent dans un hôtel à Dakar. Que se sont-ils dit? Eh bien, l'Observateur revient en quelques lignes sur cela dans ses colonnes ce matin. À la une également, l'inauguration du Sénégambien Bright avec Macky Sall et Adama Barrow qui arrose le bac. Nous poursuivons avec Libération, la revue des titres de ce mardi 22 janvier 2018. Avec la fin de cavale pour le redoutable chef mafieux indien Sulia Pujari, le barreau des stars de Bollywood tombe à Dakar, recherché par toutes les polices du monde depuis 5 ans. Il a été arrêté par le Bureau National d'Interpol avec l'appui de la DIC alors qu'il voyageait avec un faux passeport au nom d'Anthony Fernandez. Sa dernière victime est l'actrice indienne Rakhi Sawat, à qui il avait envoyé une équipe de tueurs avec son gang. Il est impliqué dans au moins une dizaine de meurtres, des kidnappings ciblés et des affaires d'extorsion visant des stars de Bollywood. Les détails sur toute cette affaire dans les colonnes de Libération de ce matin. Et Libération qui ce matin s'intéresse également à l'inauguration du pont de Farafeigné. Gambie du rêve, Sénégambie autant pour moi, du rêve à la réalité avec évidemment l'inauguration de ce pont. Les quotidiens spécialisés en sport maintenant. Et on démarre ce matin avec Stade, la meilleure attaque d'Europe, City, Paris,
et Barça sur le podium. Et en prime, vous le voyez ce matin, la photo de tous ces joueurs que les amateurs connaissent bien, hein, tous débuteurs, tous de bons joueurs, Neymar, Cavani, Kylian Mbappé, Léo Messi également, hein, et puis à la une également, le mercato à 10 jours de la fermeture, ces dossiers chauds des Lions. Nous poursuivons la revue des titres maintenant avec Sounoulam, bah oui, et c'est avec Sounoulam que nous la terminons ce matin, notre revue des titres. Caché du roi des arènes pour affronter Modulo, met en caisse 160 millions. C'est pas mal, là, il est humilié par Balague 2. Modulo, le mythe s'est-il effondré ou pas? Beckham Bay qui dit Bécan 2 était simplement meilleur ce jour-là. Ipongari, sa notoriété n'est pas affectée. Ben voilà, bon, l'avis de quelques amateurs et professionnels, j'allais dire, hein, de lutte ce matin, relayé à la une de Sounoulam. C'est tout pour la revue des titres. Merci à tous de l'avoir suivi. Et on va offrir les quotidiens comme on a l'habitude de le faire à nos invités. Alioune Badarakhan procède donc au partage. Alors messieurs, les matins, qu'est-ce que vous lisez d'habitude dans les quotidiens? Qu'est-ce qui vous intéresse? Politique, économie, lutte, sport, de manière générale. Qu'est-ce qui vous intéresse, monsieur Soum? La politique. La politique, bien évidemment. Aussi. Oui. En tant que routier, j'imagine. Vous êtes gâté, hein, ces temps-ci. Il y a d'ailleurs ce matin encore avec l'inauguration d'un autre tronçon. Bon, on en parlera tout à l'heure avec vous. Et puis, professeur de marketing, monsieur Abdoulaye, oui, qu'est-ce que vous lisez d'habitude, vous? Moi, je lis l'économie et le sport. L'économie et le sport. Vous avez une passion particulière pour une discipline sportive? La natation. La natation. Vous nagez vous-même, ouais, on voit un peu à vos épaules, hein. On sent que vous êtes un sportif. Allez, 6h50, bon réveil et bon matin à tous. Place maintenant à la chronique éducation avec Massamba. Ce matin, on parle de l'encadrement des parents et tout ça, c'est ça? Oui, c'est ça. Il s'agit véritablement d'amener les parents à davantage accompagner les enfants à la maison, parce que c'est dans le cadre du projet Lecture pour tous, qui est un projet innovant qui permet d'introduire les langues nationales dans le système éducatif progressivement. Et les gens se sont rendus compte qu'il faut beaucoup sensibiliser les parents et même créer des guides qui permettent aux parents à la maison de pouvoir, même s'ils ne sont pas allés à l'école, de pouvoir suivre leurs enfants. Et à Saint-Louis, l'association des femmes enseignantes, dans le cadre de la SCOFI, ont initié une randonnée que nous pouvons voir tout de suite avec ce reportage de Pape Colingo. Après Louga, Djoubel, Matam, Fatik, Kaolak et Catherine, la région de Saint-Louis devient la 7e zone d'intervention du programme Lecture pour tous. Ici, le programme va dérouler un volet assez particulier intitulé G2G. Donc l'Académie Sonore, donc véritablement d'avoir abrité aujourd'hui le lancement du plan de communication pour l'adhésion de la communauté. Il est un programme quand même très intéressant, très ambitieux, et il peut permettre au Sénégal de se ressaisir par rapport au déficit et baisse de niveau. Parce que le parent lui-même, puisque la formation se fera au niveau même de la famille, avec un livret familial, donc c'est tout le monde qui s'impliquera, comprendre par parent l'ensemble des éléments de la famille. Contrairement aux autres académies, la mise en œuvre du programme LPT à Saint-Louis à travers G2G doit s'appuyer sur une autre démarche. C'est un programme qui passe par l'utilisation des langues nationales comme levier pour l'apprentissage de la lecture initiale. Donc c'est un programme qui nous permettra donc de booster les performances des élèves en lecture. Le G2G, c'est le programme de lecture pour tous, mais ici dans l'Académie de Saint-Louis. Parce que quand on dit lecture pour tous, cela peut renvoyer à ce qu'est en train de faire Kémonix. Ici à Saint-Louis, dans l'Académie de Saint-Louis, on déroule le même programme, mais ici c'est le G2G, c'est-à-dire accord direct de gouvernement à gouvernement. Quand on dit G2G, c'est anglais, government to government. Aujourd'hui, il s'agit de faire le lancement de la campagne de communication pour un changement de comportement par rapport à l'introduction des langues nationales dans l'Académie de Saint-Louis, mais dans le cadre du G2G. C'est le ministère qui dirige un peu les activités et qui met en place toutes les stratégies nécessaires pour que vraiment toute la mise en œuvre soit une réussite totale. L'appropriation du programme par la communauté
une campagne de sensibilisation et de mobilisation sociale a été organisée. Nous avons initié cette rencontre pour participer à la mise en œuvre de la politique éducative du ministère de l'Éducation nationale. Nous avons voulu aussi apporter notre participation à cette mise en œuvre. Les messages que nous avons eu à transmettre, ce sont des messages de sensibilisation et de, pour permettre à la population, à la communauté, à tous les parents d'élèves de comprendre exactement ce que c'est les langues nationales dans les enseignements apprentissage. Dans l'Académie de Saint-Louis, le programme Lecture pour tous sera déroulé dans toutes les 786 écoles élémentaires de la région pour un effectif de plus de 182 000 élèves du CI au CE1. Seuls le Poular et le Wolof seront les langues à enseigner à côté du français. Une belle initiative et d'ailleurs moi j'en profite pour souhaiter une excellente journée à Pape Collingham. Alors justement les enseignantes à Saint-Louis se mobilisent pour que les parents déjà à la base puissent initier les enfants à la lecture. J'ai lu très rapidement quelque part, je ne sais plus sur quelle pancarte, la lecture c'est la première discipline. Parce qu'évidemment dans toutes les matières, on écrit forcément et il faut lire pour pouvoir comprendre que ce soit les problèmes, que ce soit la physique, que ce soit les sciences naturelles. Il faut pouvoir quand même lire pour pouvoir comprendre les énoncés. Oui, oui, Sarah, je pense que c'est ça, profiter de cette occasion donc vraiment pour féliciter ces femmes enseignantes et élargir au niveau de toutes les SCOFI, ce que j'appelle toutes les associations SCOFI. Vous vous rappelez de Mme Aïssatou Nyang qui était venu nous voir ici plusieurs fois. On pense également aussi à ces femmes de Tambacounda, Madame Aïssatou, qui était lauréate aussi du concours général, qui s'occupe beaucoup de l'éducation des filles. Nous allons aussi à Sédiou avec Fatima. Donc pour dire que véritablement les femmes se sont toujours engagées. Maintenant, la lecture c'est la base. Ça je pense que pédagogiquement c'est vérifié. On est bon en calcul parce qu'on sait lire, on est bon en dissertation parce qu'on sait lire, on est bon dans les autres disciplines, partout, il faut d'abord lire. Je pense que c'est ça l'importance de la lecture. Maintenant, la nouveauté dans ce projet, c'est un projet qui a été lancé depuis l'année dernière avec le gouvernement du Sénégal, l'USAID. Mais cette fois-ci, il y a une petite différence. Les autres ont démarré et on l'avait montré ici que c'est la langue du milieu qui est utilisée. À Saint-Louis, donc, vous avez compris qu'on va utiliser le Poular. Et le Wolof. Et le Wolof, c'est voilà, une zone essentiellement utilisé. Wolof et Poular. Maintenant, la nouveauté dans ce projet, c'est que désormais, maintenant, au lieu que l'USAID prenne les rênes, mais cette fois-ci, c'est le gouvernement du Sénégal, c'est le ministère de l'Éducation nationale, à travers ses agents, qui vont conduire désormais, au niveau de Saint-Louis, parce qu'on est dans une phase test, la conduite de ce projet. Et le premier pas a été d'abord de réfléchir sur comment mobiliser les parents. Et ça a donné l'idée de pouvoir créer des guides. Parce que désormais, un parent analphabète, il a son guide à la maison. Et à travers le guide, maintenant, l'enfant lit et il peut regarder. D'accord. Il peut aussi aller en avant, regarder d'abord son guide et quand l'enfant vient, il lui demande de lire. Et sauf que les parents eux-mêmes ne lisent plus aussi. C'est ça aussi, c'est la difficulté. Oui, vas-y, Aline Badera. Un peu parce que ça me fait penser à feu ma grand-mère, père à son âme. À chaque fois, ma sœur lui faisait le même coup. Et lui, c'était la même leçon. Et elle ne s'en rendait pas compte. Non, dès qu'elle sortait des mots en français, pour elle, c'était bon. Elle a bien vraiment appris sa leçon, donc il n'y a pas de problème. Quoi. Elle avait même droit à une petite félicitation, hein, ou bien un petit cadeau. Quoi. Et c'était la même leçon, tous les jours. Allez, Monsieur Sec, réaction sur ce sujet. Vous-même, vous êtes enseignant. La lecture, justement, a amené les enfants à lire. Et puis, la problématique, c'est aussi lire dans les langues. Parce que là, on parle du Wolof et du Poular également, amener les enfants à lire dans les langues nationales. Oui, c'est une chose très importante. Actuellement, les enfants passent trop de temps sur les réseaux sociaux, sur leur smartphone, sur leur télévision connectée, sur leur tablette. Il faut qu'ils essaient de lire, il faut qu'ils apprennent à lire. Il faut également que les parents fassent un effort pour les amener à lire. Moi, chaque jour, même moi, chaque jour avant de me coucher, je me dis, il faut que je lise minimum 10 pages. Ça, c'est l'objectif que je me suis fixé. Quelle que soit mon occupation, quel que soit l'emploi du temps, je me dis, il faut que je lise avant de me coucher. Ouais, bon, Aline Badara et moi, on tombe sur le lit et puis on s'endort. Hein. Monsieur Soum. Oui, effectivement, ça me rappelle d'ailleurs les conseils d'un professeur qui nous demandait toujours de lire beaucoup. Parce que vous savez, quand vous n'arrivez pas à lire beaucoup, vous ne pouvez pas maîtriser les autres matières. Donc la lecture est très importante. Et vraiment, j'ai
Moi, je lisais beaucoup, hein, je lisais beaucoup et j'ai vu le résultat. J'ai vu le résultat après. Donc, vraiment, la lecture est très bonne. Ça vous permet de maîtriser beaucoup de choses aussi. Et on devrait peut-être, comme l'a suggéré Alune Badarakan tout à l'heure, offrir à tous les transporteurs comme livre le code de la route, non? Et les inciter à le lire voilà. En wolof, en serrer, en stoning, et traduire tout ça. Mais je crois que c'est essentiel de le dire. Hein. Ouais. Il est important de lire et pour les enfants et pour les parents. Parce qu'en réalité, Monsieur Sek, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, les enfants ne font que nous copier. C'est ça. Si on ne lit pas, si on est nous-mêmes tout le temps sur nos téléphones, les enfants feront comme nous, ça en bas. C'est ce qu'on fait. Nous devons donner le bon exemple quand même. Bon, surtout essayer de créer l'environnement. Parce que aussi, l'enfant peut lire quand il voit l'environnement. C'est-à-dire qu'il tourne à gauche, il voit un livre, il tourne à droite, il est sûr qu'il a une bibliothèque. Et ça, ça aiguise sa curiosité. Maintenant, dans ce cadre précis, tout à l'heure, Aline Badr parlait de sa sœur qui trompait sa grand-mère. Mais cette fois-ci, c'est des livres qui sont édités en langue nationale. Hein. C'est-à-dire que c'est en polar et en wolof. Donc forcément, normalement, si le parent, parce que les parents sont formés aussi, si le parent est assez intelligent quand même, il a son guide, si l'enfant parle wolof et français, Tei, Modou, Demna, Marché, là, le parent, il regarde. Et donc, voilà, c'est une manière aussi de participer à la lecture. Et les parents ont dit que cela leur a même donné l'occasion d'apprendre à lire. Oui. Et il y a même des parents qui sont revenus pour dire, moi, en suivant cet enfant, en surveillant mon petit-fils ou mon enfant, finalement, moi-même, je lis tout le livre. Oui, bon. Donc, c'est déjà une bonne chose, quoi. Ça, moi, ça me rappelle une petite anecdote aussi avec mon petit frère qui, quand il était encore à l'école primaire, j'espère qu'il ne me regarde pas ce matin parce que sinon, quand je vais rentrer, il ne sera pas content. Donc, alors, c'est Sidi et Rama. La première page, c'est Sidi et Rama vont à l'école. Il lit correctement et très bien. Je me dis, waouh, mais quel élève brillant. Non, c'est super, je suis fière de mon petit frère. Ensuite, je lui dis, ok, bon, montre-moi Sidi et Rama dans la phrase. Il me regarde. Je dis, non, où est-ce qu'on a écrit Sidi? Il me regarde. Je regarde le livre, il me regarde. Je dis, alors là, il y a un petit souci quand même. Il avait juste mémorisé cette phrase. Il avait mémorisé. En fait, il a mémorisé le texte. C'est tout. Donc, il ne voyait pas les mots. Ouais. Il a juste mémorisé le texte. Il faut être vraiment alerte, quoi. Oui, pour pouvoir dénicher ces petites astuces ou bien des enfants qui vous remettent les mêmes livres tout le temps et qui récitent ça aussi. Parce que la lecture, c'est apprendre justement les lettres et les mots et pouvoir les déchiffrer. C'est ça l'objectif. Ça. Mais il faudrait aussi, Massamba, selon moi, que les municipalités puissent s'y mettre, c'est-à-dire les collectivités locales. En mettant sur pied des bibliothèques municipales, communautaires, dans un passé récent, il y en avait dans beaucoup de villes de l'intérieur. Je peux donner l'exemple de Mour, par exemple, un quartier que je connais très bien, le quartier Santessou. Grâce à cette bibliothèque-là municipale de Santessou à l'époque, hein, beaucoup d'enfants ont pu continuer leur cursus scolaire, beaucoup d'élèves en tout cas. Et aujourd'hui, je suis sûr que ceux-là qui me suivent ne vont pas me démentir. Si. C'était vraiment un creuset pour nous tous, c'était un lieu de savoir, un lieu de rendez-vous, mais pour des choses vraiment utiles, grâce à ces livres-là. Donc, on s'en donnait vraiment à cœur joie en y allant pour lire, découvrir et puis voilà, faire un rapide voyage du monde sans pour autant prendre l'avion ou bien le train ou bien même la voiture. Donc, je me dis que c'est extrêmement important d'aménager ces bibliothèques-là municipales partout au Sénégal pour vraiment inciter les élèves à lire. Parce qu'il y en a qui ont cet amour du livre-là, mais malheureusement, ils n'ont pas tellement de moyens pour avoir peut-être les manuels et autres là. Parfaitement. Donc, ce serait vraiment une bonne chose. Parfaitement. Je crois que c'est ça, hein, la prochaine étape. Moi, j'ai même vu. Il faut des bibliothèques aussi dans les écoles. C'est ça. Moi, j'ai même vu à Dara Diolof chez nous, hein, et j'en profite pour féliciter M. Sow, qui a créé un centre d'accueil, un hôtel, mais dans l'hôtel, il a créé une grande bibliothèque. C'est ça. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les élèves font le tour de la bibliothèque. Je pense que moyennant 100 francs ou 150 francs, ils peuvent rester lire. Ils sont dans de très bonnes conditions, ils peuvent emprunter des livres. C'est dire que donc, même des bonnes volontés peuvent le faire. Et nous en profitons pour saluer les gens qui nous regardent ce matin. Je vois le message de Mme Diallo de Sédiou. Donc, c'est des femmes aussi qui font beaucoup de choses dans ce domaine. Et coucou à toute la population du Pacao. Moi, je vais lire le message du colonel Momarguet qui nous regarde ce matin. Et vous savez que le colonel Momarguet, c'est plusieurs ouvrages. Alors, il dit félicitations à l'équipe de référence Quinqueliba. Merci beaucoup. La lecture est la nourriture de la connaissance, car le savoir est dans les livres. Le savoir est dans le livre, nous rappelle-t-il ce matin. Félicitations encore. Merci, colonel Momarguet. Moi, je fais...
fais un petit bisou à Anta sur le plateau ce matin. La rubrique Buzz du Net, ça va barder, hein. J'ai aperçu un tout petit peu les images qu'elle nous, va nous proposer ce matin. Je crois que certains vont avoir du mal à rester sur, sur le plateau. Mon cher Alioune, elle nous a préparé le challenge. Je ne sais pas quelle photo elle a choisie. C'est pourquoi j'ai décidé que ce matin, elle ne dirait rien jusqu'à sa chronique. Et on va vérifier après si ça va passer ou pas. Tu as ton droit de veto, hein. Bien sûr. Le rédacteur. Bah, nous sommes le conseil de sécurité. Hein. Et de les membres privilégiés de, voilà, qui ont ce droit de veto-là. Voilà. Allez, oh, merci beaucoup, Massamba. Il est 7h04. Place maintenant à la rubrique invité. Merci. Après donc la lecture dans la chronique éducation, nous allons avec Monsieur Soumain Aliusou qui représente le syndicat des transporteurs sur ce plateau, revenir sur, on va dire, toutes les actualités parce qu'il y en a tellement, des inaugurations, des routes, des tronçons et tout ça, avec ce pont encore hier. Eh bien, je pense quand même que côté infrastructure, les choses s'améliorent beaucoup pour les transporteurs routiers à l'Ouel Badara. Bien sûr, en tout cas, hier, c'était le jour, hein, et certainement tout au long de la semaine et même peut-être de l'année, parce que c'était une vieille attente que je suis satisfaite avec ce pont-là qui a été inauguré par les présidents gambiens et sénégalais, Adama Barrow et son homologue Macky Sall. Donc vraiment une vieille doléance aujourd'hui des transporteurs qui a enfin trouvé solution. Alors avant de... C'est vrai que vous avez fini de vous réjouir de cet ouvrage-là, mais dans passé, quelles étaient ces difficultés-là auxquelles vous étiez confrontés sur ce tronçon extrêmement vital qui relie la Casamance au reste du Sénégal via la Gambie, bien sûr. C'était quoi les tracasseries auxquelles vous étiez soumis? Oui, merci Aline. Vous parlez de vieux souvenirs. Ouais. C'est vrai, nous avons passé nous avons vécu un passé douloureux au niveau de cette traversée gambienne. Puisque vous, si vous vous rappelez, nous avons eu le syndicat national des travailleurs des transports routiers a eu à mener des luttes hein, farouches hein, avec contre l'ancien président, le président d'alors, le président Diamé. Vous savez, notre syndicat a eu à effectuer des boycotts d'ailleurs, au niveau des boycotts. Puisque vous savez, la situation que vivaient les travailleurs, nos chauffeurs au niveau de la Transgambie était insupportable. Nous avons subi toutes les tracasseries que vous pouvez imaginer au niveau de cette traversée. Donc, c'est pourquoi d'ailleurs des grèves, des actions ont eu à être menées avec le camarade Alassane Doué, notre secrétaire général. Bon, maintenant.
Sonia Diarbaté. Pour revenir dans le magazine, nous étions avec monsieur Aliou Soum dans la rubrique invité. Nous discutions un tout petit peu des tracasseries qu'il y avait, hein, que les routiers, les transporteurs routiers vivaient avant, hein, Aliou Mbadara, avant l'inauguration de ce pont de la Sénégambie. Bon, on a mis pour que les téléspectateurs puissent regarder ce magazine avec une meilleure qualité. C'est important. Aliou Mbadara, voilà, reprend. Donc, M. Soum, si vous pouvez revenir avec nous sur déjà ces difficultés-là auxquelles vous étiez soumis, confronté plutôt à l'époque, avant l'inauguration, bien sûr, de ce pont-là. Oui, effectivement. Je pense que tout le monde se rappelle d'ailleurs de ces difficultés que nous avons eues que nous avons vécues. Parce que, vous savez, notre organisation syndicale, le syndicat national des travailleurs des transports routiers du Sénégal, avec le camarade Alassane Doye, notre secrétaire général, nous avons eu à mener des combats. Vous vous rappelez des boycotts que nous avons eu à mener avec contre l'ancien président, le président Diamé. Et nous avons même demandé à ce que le contournement en passant par Tamba, ce contournement puisse être fait pour éviter les nombreuses tracasseries que les chauffeurs, nos travailleurs subissent au niveau de la Transgambie. C'était vraiment douloureux. Mais maintenant, je pense que c'est une vieille souvenir maintenant. Et nous saluons d'ailleurs l'initiative de nos deux chefs d'État, à savoir le président gambien, le président Barrow et le président Macky Sall. Vraiment, nous en réjouissons de cette belle initiative. Et maintenant que cette doléance-là finalement a pu être satisfaite, maintenant que vous avez le pont, certainement ce ne sera plus un calvaire pour faire la traversée de cette partie-là de la frontière sénégalo-gambienne. Qu'est-ce qui va changer pour vous? Bon, en fait, c'est vrai que ça doit changer. Ça doit changer puisque je pense que nos chauffeurs ne subiront plus de tracasserie. Et du coup, en termes de fluidité, en termes de sécurité, en termes de libre circulation des biens et des personnes, et qui dit libre circulation de biens et des personnes pense au transport. Bien sûr. Mais aussi, nous lançons un appel à nos propres mandants d'ailleurs, les travailleurs que nous sommes, les chauffeurs, aux usagers, en ce qui concerne, l'entretien. C'est extrêmement important. L'entretien de ce joyau. Parce que cette infrastructure vient à son heure. Donc, il va falloir que l'entretien, on passe à l'entretien. C'est extrêmement important. Et cela, quand même, vous avez un très grand rôle à jouer dans cela pour qu'il y ait un réel entretien, en tout cas une bonne maintenance de cette infrastructure-là. En respectant, par exemple, déjà le tonnage, il faudra jouer vraiment frange pour que ce pont-là puisse bien tenir et pourquoi pas survivre à un siècle. Maintenant que le pont est devenu une réalité, cela clairement peut-être aura une conséquence enfin positive sur les prix. Peut-on s'attendre, nous, qu'il y a à une baisse des prix sur la Transgambienne? Est-ce que vous êtes prêt quand même à faire aussi une certaine concession pour que tout le monde puisse y trouver son compte? Effectivement, cela va sans dire parce que, vous savez, je pense qu'en ce qui concerne les prix, la tarification, vous savez, je pense que c'est du côté de la Gambie. C'est la Gambie qui va gérer, qui va assurer la gestion. Donc, nous faisons appel à la Gambie de pouvoir nous associer, à cette réflexion pour qu'on puisse réfléchir ensemble, voir ensemble quelle est la meilleure façon, la meilleure solution à entreprendre pour pouvoir assurer
baisse un peu des tarifs. Si vous dites que cela dépendra un peu de la bonne volonté de Bandioul, peut-être qu'on va devoir encore garder notre mal en patience. Hein. Je pense que l'État du Sénégal a fait des efforts, quoi qu'on puisse en dire, parce que quand même c'est un prêt qui engage les deux États. D'abord, cela vous profite, vous quand même transporteur sénégalais, mais donc c'est juste une question de volonté aussi. Quoi. Absolument, hein. Absolument. Pour qu'on puisse peut-être espérer une baisse prochaine des tarifs. Mais bon, ça va être un autre débat. Souvent, vous n'avez pas abordé ce sujet-là, lié à l'argent. Alors, Massamba. Ça, mais je pense que comme Aline Badra l'a dit, c'est un pont et tout le monde a un souvenir. Hein. Moi, c'est le souvenir que j'ai gardé. Vraiment, c'est la traversée que j'ai eue et que voilà, à chaque fois, il fallait donner. Et à la fin, les gens m'ont envoyé. J'ai dit, bon, il voilà l'eau que j'avais et j'ai donné la bouteille d'eau. Donc vraiment, voilà, pour montrer qu'on a tout vécu, quoi. On a tout vécu, on a eu des missions presque foirées. Donc je pense que c'est le bienvenu. Maintenant, la question que je voulais poser, déjà sur le plan économique, en tout cas au niveau déjà de la Gambie, on a entendu certaines dames disaient, voilà, est-ce que ça ne va pas freiner un peu le petit commerce qu'on faisait, etc. Est-ce à dire que vous demandez aujourd'hui quand même des arrêts à l'entrée, comment ça va s'organiser ? Pour surtout la restauration, il y avait beaucoup de choses qui étaient faites là-bas. Absolument. Donc, c'est ça pour manger. Non, je pense que vous savez, hein, la mise sur pied de ce pont va favoriser davantage toutes les activités qui se trouvaient hein, là-bas. En ce qui concerne la restauration, comme vous le dites, en ce qui concerne tout le commerce hein, qui s'y trouve, hein, je pense que ce pont-là vraiment va favoriser, va booster davantage la situation. Ça va être réorganisé. Mm-hmm. Et ça va booster davantage la situation qui si toutes les activités qu'on menait là-bas. Mm. Donc, bon, c'est pourquoi d'ailleurs, bon, nous avons déjà pensé à la sensibilisation d'ailleurs de nos mandants, de tous les usagers. Parce que la sensibilisation est très importante. Et vous abordez un point sur lequel je voulais revenir, parce que quand on dénonce les accidents de la circulation, les accidents de la route, on parle généralement d'infrastructures, on parle également du parc, mais surtout hein, de l'humain, les chauffeurs, les conducteurs, les usagers. Et donc, sur ce plan, il est important de sensibiliser davantage les gens, parce qu'on sait, on en a vu, hein, il y a eu des vidéos qui ont circulé sur la toile, on a vu vraiment des attitudes qu'il faut dénoncer. Et vous, à votre niveau, qu'est-ce que vous faites pour que cela change? Parce que les chiffres, quand même, font peur. Oui, c'est pourquoi, d'ailleurs, bon, tout à l'heure, je parlais de sensibilisation, parce que, c'est vrai, il va falloir un bon comportement de nos citoyens à ce niveau, parce que une belle initiative de ce genre vraiment mérite des mesures d'accompagnement. Qu'est-ce que ce seront ces mesures d'accompagnement? C'est un bon comportement de nos travailleurs d'abord, un bon comportement des usagers, un bon comportement de ceux qui gèrent ce joyeux. C'est important parce que la gestion pour assurer un suivi, c'est important. Le malheur de nos populations, c'est que nous avons un défaut de suivi. Donc, c'est pour cela que je dis que nous allons commencer à sensibiliser nos travailleurs. Sensibiliser nos travailleurs sur le bon comportement, sur la bonne gestion et surtout le comportement, tu dis. Okay. Et puis, parce que moi, je pense même que l'État, nos deux États doivent assurer, doivent engager une entreprise comme à l'image de l'AIFAGE pour que les véhicules ne puissent pas stationner sur le pont. Ça, c'est... Il faut assurer une sécurité. Mmh. Une sécurité. Oui. Il faut assurer aussi l'entretien aussi. Ok. Et puis, par rapport aux activités économiques, je pense que quand même, il n'y a pas tellement de crainte à nourrir. Déjà, avec ce pont-là, de plus en plus, peut-être, de routiers, même
disons, d'usagers seront enclins à passer par la Transgambienne. Il y aura, je pense, donc beaucoup plus de passage, hein, un regain d'activité même que par le comparé au passé récent, donc de cet axe-là extrêmement important. Donc je pense à ce niveau, il n'y a pas tellement de soucis à se faire. Alors maintenant, quand sera-t-il du renouvellement du parc? Parce que aussi c'est extrêmement important, ça aussi, pour assurer davantage la sécurité des usagers, le renouvellement des parcs. On a une flotte extrêmement vieillissante quand même dans notre pays, comparé à certains de la à certaines flottes de la sous-région. Qu'est-ce qui est en train d'être fait par les professionnels que vous êtes? C'est vrai que nous avons un parc un peu vétuste, mais il faut reconnaître aussi que l'État est en train de faire de bonnes choses. Hein. Vous savez, à l'image de la Citude, les gros porteurs, je pense aussi, et nous faisons appel à l'État d'assurer la continuité, puisque vous savez, nous avons un parc vraiment vétuste. Et construire un joyau de ce genre, vraiment, il faut y apporter des mesures d'accompagnement en continuant à s'investir sur le côté du matériel, à savoir des véhicules. Vraiment, c'est pourquoi nous invitons l'État à nous aider. Parce que vous savez, à l'image des autres pays comme le Mali, c'est l'État qui subventionne les transporteurs. Vous voyez la différence qu'il y a entre nos deux pays. Le Mali a des véhicules vraiment de bons véhicules, du matériel neuf, du confort. Vous savez, autant, pourquoi pas le Sénégal ne peut pas faire autant. Donc, c'est pourquoi nous faisons appel à l'État pour qu'il puisse nous aider en ce sens. Parce que, vous savez, construire des nouvelles routes, des infrastructures de cette envergure, sans assurer un accompagnement, vraiment, ce ne serait pas bon. Donc, vraiment, nous en faisons appel à l'État pour qu'il puisse nous aider en ce sens. Le parc automobile, du Sénégal. C'est très important. Merci beaucoup, monsieur Soum. Restez avec nous. Merci. Voilà. Eh bien, quand l'État fera tous ces efforts-là, comme le disait Aline Badarakhan tout à l'heure, nous espérons évidemment que cela se ressentira aussi à notre niveau et que les prix vont énormément baisser pour nous autres. Allez. Surtout quand il y a des fêtes et qu'on doit regagner les familles qui sont dans les villages et autres. Parfois, il y a la surenchère hein, qui s'invite également, la spéculation. Et puis les prix changent, on ne comprend pas. Ça aussi, on aimerait plutôt que les prix baissent hein, à ces moments-là. Allez, il est 7h20. Place maintenant au clip du jour dans la deuxième partie de ce magazine. La chronique Buzz du Net avec Anta, le journal d'abord complet avec René Léon. Et puis sur le plateau avec nous, monsieur Abdoulaye Seck, qui est professeur de marketing. À tout de suite. Gisla, godem khlatla, godelu sima khola, kurabine ma chasrek manopla. Sometimes I ask myself if I can find someone like you. Sometimes I like some of bop na yalla bin dem na kenen kumel ni yam. Aina kita lampu fit na baby don am chow. Magyo ji sunu gal don di ture mi du gala chidi ko chow. I like that. Yes, I know that you like that. Di la phone, she like that. Jok mo mo de pass bi ma connect that. Kuwer lola atina na wak yao bese chemsie. My baby nehul benehul me kis na ni kiama tay. Oh oh, man bagu mala kis ngay jay. My baby, man kis na ni kiama tay. Oh oh, man bagu mala kis ngay jay. Bagumala kiss me joy, man kiss na ni kiyama die. I love you and I need you, my baby. I love you, I do. My sunshine, yaw la masadon, jaro diamond. Oh
hold my hand and let me take you so far away. The way you're touching me drive me so crazy. Every night and day. So can you lock alone like new moon today, baby? So nice and sweet, yeah. I like that. Yes, I know that you like that. The love phone, she like that. Jok mo mo the past, be mo connected, yeah. Oh why, oh why. Man so may rai, may lock. Oh why. Echul bu nechul me kiss na ni yamertai. Oh oh, man bagu malakis ni chai. My baby, man kiss na ni yamertai. Oh 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 oh, bagu malakis ni chai. Bagu malakis ni chai. Man kiss na ni yamertai. Très belle journée à Madame Bayangdon Doyo, tout pour moi qui nous regarde également ce matin. Et bonne journée à Serine Sambake Lazamba, un fidèle téléspectateur de la matinale également. Et sur notre page Facebook ce matin, vous êtes également très nombreux à nous avoir écrit à Madou Sek dès 6h30. On a reçu votre message pour souhaiter une excellente journée à la matinale. Merci, merci encore une fois de votre fidélité et place maintenant au journal avec René. Gotta wake up early in the morning. Et dans l'actualité ce matin, retour sur l'inauguration du pont sur le fleuve Gambie. C'était hier en présence des chefs d'État sénégalais et gambiens Macky Sall et Adama Barrow. À suivre aussi l'inauguration ce mardi de l'autoroute AIBD Mbour, autant pour moi, Thiès, et la présentation des 5 candidats officiellement retenus pour l'élection présidentielle. René, c'est à vous. De son homologue gambien Adama Barrow qui traverse, comme vous allez le voir, le pont de la Sénégambie, l'instant historique des deux présidents procédés à l'inauguration de ce pont. C'est à Kër Aïb que les deux chefs d'État se sont rencontrés. Très content de retrouver son frère, le président Adama Barrow souhaite une chaleureuse bienvenue au président Macky Sall. Ensemble, dans un cortège commun, les deux chefs d'État passent devant des populations qui marquent leur adhésion à cet élan unitaire. C'est un moment que l'histoire retiendra. Les présidents Macky Sall et Adama Barrow ont le mérite d'avoir marqué cette étape importante dans la marche de la Sénégambie. En même temps qu'il va désenclaver le sud du Sénégal, le pont sur le fleuve Gambie renforce les liens séculaires entre les deux peuples frères. De quoi réjouir les populations mobilisées exceptionnellement pour la circonstance. C'est le cas de ces fils de la Casamance venus en grand nombre à la rencontre
des deux présidents ici, à l'autre rive du fleuve Gambie. Voilà, et puis de retour en Gambie, le chef de l'État a visité le centre de formation professionnelle de Nioro. C'est le fruit de la coopération entre le Sénégal et le Luxembourg. Ce centre a coûté environ plus d'un milliard de francs CFA et va répondre à un besoin de qualification des jeunes dans la zone. On écoute justement le président de la République. Le gouvernement a mis en place un important dispositif visant à améliorer le système de formation professionnelle et à doter tous les jeunes et adultes de compétences nécessaires à l'emploi, à l'obtention d'un travail décent, à l'entrepreneuriat et à l'apprentissage. Ainsi, après l'inauguration du centre de formation professionnelle au métier des poids lourds, de l'automobile, des deux roues et des moteurs hors bord, ainsi que de l'unité de formation professionnelle au métier de la maîtrise énergétique à Diamniadio, nous procédons aujourd'hui à celui de Nioro, qui comporte 5 filières de formation, à savoir la filière restauration et hôtellerie, la coiffure, la filière artisanat, habillement, la filière santé communautaire et la filière agriculture et élevage. Autre titre ce matin, l'inauguration ce mardi dans quelques heures donc par le chef de l'État de l'autoroute AIBD Mbour-Thiès, 55 km en tout qui vont permettre d'améliorer la mobilité dans cette partie du pays. L'ouvrage a permis de désenclaver plusieurs localités, parmi elles Malikunda. Sur place, les populations se félicitent de la réalisation de cette infrastructure. C'est un reportage Ibrahim Adam. Loin d'être un mirage, c'est une réalité. Le temps de l'action se matérialise sur le terrain. L'autoroute AIBD Mbour-Thiès en constitue une parfaite illustration. Une infrastructure prête à accueillir ses usagers. L'autoroute AIBD Mbour-Thiès est un projet structurant. Elle démarre au nom de l'aéroport. Et elle constitue aussi le prolongement de Dakar Diamniadio AIBD. Elle est longue de 55 km. Rapporté en deux branches. Il y a une branche S qui va à Thiès sur 16 km, dont l'affaire correspond avec le début de route Thiès-Touba. Il y a aussi une branche sud qui va jusqu'à Mbour sur une ligne de 39 km. Donc elle est en deux fois deux voies, extensible en deux fois trois voies. À la gare de péage de Kérène, l'ingéniosité des techniciens est perceptible. Ici, c'est une barrière pleine voie qui obéit à un système de péage fermé que l'on découvre. C'est-à-dire que là, l'usager prend un ticket à l'entrée et paye à la sortie. Donc ici, on a la barrière pleine voie, constituée de 12 passages. Il y a 5 voies d'entrée et 7 voies de sortie. Et sur chaque sens, on a 2 voies à péage automatique. Que ça fait sous forme de télépéage, il y aura sans arrêt. L'avantage, c'est que l'usager aura à payer effectivement uniquement le kilomètre parcouru. En plus de ça, il y a un gain de temps énorme au niveau de la gare de péage. Une autoroute qui traverse plusieurs localités. Elles sont aujourd'hui nombreuses à sortir de l'anonymat. C'est l'exemple de la commune de Malikunda, dans le département de Mbour. C'est un ouf de soulagement pour la population du département de Mbour, mais particulièrement pour la population de Malikunda. Parce que comme je l'ai dit maintenant, nous sommes au cœur du Sénégal. Pourquoi? Parce que à 40 minutes, vous êtes à Dakar, et à 20-25 minutes, vous êtes à l'aéroport international Blaise Diagne. On y roule avec confort et sécurité. Et pour une meilleure accessibilité, beaucoup d'échangeurs ont été aménagés. On a 5 échangeurs dans le cadre du projet, dont un autoroutier à Tchambok. Et ce autoroutier nous permet non seulement de la desserte de l'aéroport, mais aussi la liaison par voie rapide des trois grands pôles urbains que sont Dakar, Thiès et Mbour. Également, on a 4 autres diviseurs qui permettent l'entrée et la sortie au niveau de l'autoroute. Pragmatisme, efficacité, innovation. Un triptyque qui gouverne les activités de l'Agence des travaux et de gestion des routes. Ce tronçon de 55 km a été réalisé en un temps record.
synonyme de diligence dans le travail. Voilà, pour ce reportage signé Ibrahim Ndong sur l'autoroute AIBD Bourtchès qui sera donc inaugurée ce mardi en présence du chef de l'État Macky Sall. Et puis pour finir, retour sur la publication de la liste définitive des candidats pour l'élection présidentielle. Ils sont 5 en tout, Macky Sall, Ousmane Sonko, Issa Sall, Idrissa Seck et Madi Kenyon. Cher Bambagé nous les présente. Ils sont 3, dont c'est la première participation à une élection présidentielle. D'abord, Issa Sall, candidat du Parti de l'Unité et du Rassemblement Le Pur. Le Pur, également présent à l'Assemblée nationale, sera un des acteurs de la campagne électorale. Ensuite, Madi Kenyon, un des ténors du Parti démocratique sénégalais, qui a été de tous les combats, a décidé d'aller seul, adoubé par une frange du PDS au bord de l'implosion. Il se jette dans l'arène politique et réussit sa parrainage. Enfin, Ousmane Sonko, président du PASSEF, lui aussi se présente pour la première fois à une élection présidentielle. Un autre candidat au scrutin du 24 février 2019, Idrissa Seck, président du parti Réumi. Idrissa Seck est à sa 3e participation à une élection présidentielle. 2007, 2012 et 2019, le leader du parti Réumi sera également un des acteurs de cette élection. Face à ces 4 candidats, il y a le président de la République Macky Sall. Macky Sall est le candidat de la coalition Benno Bokk-Yakar, majoritaire également à l'Assemblée nationale. Macky Sall accède à la magistrature suprême le 25 mars 2012, une victoire avec plus de 65% des suffrages. Après 7 ans d'exercice du pouvoir, Macky Sall sollicite le suffrage des Sénégalais autour d'une candidature centrée sur les réalisations d'un plan Sénégal émergent. Voilà pour l'essentiel de l'actualité de ce mardi matin, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. Merci de votre attention et de votre fidélité. L'info, je vous rappelle, continue sur rts.sn, sur l'application RTS et sur live.rts.sn. Je vous souhaite une très bonne journée et à demain, mercredi, Sarah. Merci René. Bonne journée également à toi. Demain, on te retrouve toujours pour l'info sur la matinale. Et de l'autre côté, il faut rester à la régie parce qu'Anta a préparé des surprises pour l'équipe ce matin. C'est à voir absolument. Tu ne pourras pas réagir, mais bon. J'ai déjà vu les images. Tu as déjà vu les images. Qu'est-ce que ça donne? Badarakan remporte la palme avec 8 sur 10. Ah oui? Et moi, ça va? Wow. Je tiens la route? Affaire à suivre, comme on dit. À regarder tout à l'heure. Place à la pub. On vous retrouve juste après pour la suite. Restez avec nous. Gisla. Gedem me gelaat le, gedel los in me hol le, kurang bine me chas rek me nop le. Sometimes I ask myself if I can find someone like you. Sometimes my light some up up and nach, ya le binde me kenen kumel ni yao. Fina kita lampu fitna baby don't I'm chow. Make your jisu no gal, don't you tell me to get a chitty ko chow. I like that, yes I know that you like that. The love fun, she like that. Jok mo mo de pass be ma connected. Poor lola adina, now a kyao verse gems yeah. My baby nehul but nehul me kiss na ni kyama tay. Oh oh, man bago mo la kiss ngay joy. My baby, man kiss na ni kama day. Oh oh, man bago mo la kiss ngay joy. Bago mo la kiss ngay joy. Man kiss na ni kama day. I love you and I need you. Ce matin, c'est Edmo Flo qui accompagne votre réveil en douceur. Nous poursuivons maintenant le magazine avec la deuxième partie de la rubrique Invité. I gotta wake up early in the morning.
Alors Abdoulaye Seck, je vous le rappelle encore une fois, est professeur de marketing et il a mis gratuitement à la disposition des étudiants et de tous les jeunes hein, du secteur informel des vidéos de courte durée pour leur enseigner le marketing, la gestion des ressources humaines, la comptabilité, la statistique et le droit dans les langues nationales. Il faut le faire. Félicitations. Un sacré défi qui s'est fixé. Un sacré défi qui s'est fixé de devoir distiller autant de savoir à ces jeunes-là du secteur informel pour la plupart avec un faible niveau d'alphabétisation. Alors, monsieur Seck, qu'est-ce qui justifie un tel engagement? Qu'est-ce qui le sous-tend? Tout à l'heure, j'ai vu que le président inaugurait un centre à Fatick. À Niort, il y a des jeunes qui ont la chance de pouvoir aller dans ce centre. Oui. Il y a des jeunes qui ont la possibilité également de payer dans les écoles de formation pour se former. Mais dans le Bawor où je suis né, il y a beaucoup de jeunes qui n'ont pas eu la chance de fréquenter les business schools, comme on dit. Et pourtant, ils font des efforts pour gagner leur vie dans le transport, dans la menuiserie, dans le commerce, dans la restauration. Mais je me suis dit, si nous faisons une remarque, si nous faisons l'état des lieux, il y a des gens qui avaient commencé à investir dans les années 2000, surtout nos parents qui vivent hors du pays, qui ont investi dans le transport, qui ouvrent des boutiques, mais à chaque fois ça ferme. Qui investissent dans le transport, le business ne donne rien. Ils mettent de l'argent dans leurs activités, mais malheureusement, ils ne réussissent pas. Il y a quelque part où il y a un problème. Je me suis dit que le problème se situe surtout au niveau de la gestion. Les gens ne savent pas gérer. Raison pour laquelle je me suis dit, il faut que je fasse un effort pour aider ces jeunes-là. Moi, j'ai des connaissances en marketing. Il a des connaissances en gestion des ressources humaines. Vous avez des connaissances en comptabilité. Il a des connaissances en communication. S'il vous plaît, aidons ces jeunes-là en réalisant des vidéos de 2-3 minutes maximum et mettons ces vidéos-là à leur disposition afin qu'ils puissent apprendre à gérer. Parce qu'un boutiquier qui est au Bawol, qui ignore la gestion des stocks. Il peut avoir dans son stock une bouteille ou bien un pack de lait pendant 5 ans dans son assortiment. Il ne sait pas c'est quoi une date de péremption. Il le vend à quelqu'un pendant son baptême, les gens le mangent et tout le monde meurt. Là, il faut que les gens apprennent à gérer non seulement le marketing, mais la gestion des ressources humaines, la finance, la comptabilité. Mais il faut que tous les Sénégalais m'aident à réaliser de courtes vidéos qu'on va mettre à leur disposition. Même la personne, la ménagère qui vend son poisson au marché du poisson, si elle a quelque temps, si elle est dans son car rapide pour aller à son lieu de travail, elle peut en profiter pour regarder une vidéo qui lui enseigne comment elle peut gérer son stock, comment elle peut vendre, comment elle peut négocier, comment elle peut communiquer. Voilà un peu le projet. En vérité, qu'est-ce que vous y gagnez hein? C'est rare de voir quelqu'un faire du... Qu'est-ce que j'y gagne? Si grande volonté, preuve de bonne volonté. Avant-hier, quelqu'un m'a appelé. Monsieur Seck, grâce à ces vidéos, oui. J'ai décroché deux marchés. Oui. Mais ça, c'est déjà bon. Oui. Ça n'entre pas dans mon poche, mais ça dans le pays, dans le développement du pays. Oui. Et si le Sénégal se développe, tôt ou tard, je vais le sentir dans ma poche. Oui. C'est seulement ce que je gagne, rien d'autre. Okay, même les vidéos publiées sur YouTube ne sont pas monétisées. Mm-hmm. Ne sont même pas. Tout est gratuit. Ok, le support, tout est gratuit et c'est par via les réseaux sociaux. Via les réseaux sociaux. Des fois, il y a des vidéos que j'ai fait en différé, mais il y a également des parties live où j'interagis avec les jeunes qui sont disséminés un peu dans le monde. Ils posent des questions, je réponds. Mm-hmm. Également, j'invite des fois aussi des amis qui sont, je ne suis pas spécialiste dans tout. Oui, il y a des amis qui sont spécialisés en comptabilité, je les invite, ils font des vidéos. Ouais. D'autres qui sont spécialisés en management des ressources humaines. Parce que imaginez un mécanicien qui est derrière la RTS, mais il manage une équipe. Il doit savoir comment gérer les ressources humaines, comment motiver son équipe afin d'atteindre ses objectifs. Mais un mécanicien qui n'a pas appris la comptabilité, est-ce qu'il sait maîtriser ses coûts? Est-ce qu'il sait fixer un prix? Mais tout ça, on doit aider les gens à le savoir. Et vous avez choisi, je pense, la bonne méthode. Hein. C'est la plus simple parce qu'évidemment, tout ça, ça existe dans les livres. Mais est-ce que les gens vont lire tout ça avec ces petites vidéos que vous faites? Ça, on sait maintenant, tout le monde est connecté. C'est très court, on regarde rapidement et on apprend beaucoup plus facilement et beaucoup plus vite. Je pense que c'est une excellente méthode et que ça va forcément intéresser les gens. Vous avez raison, on a des manquements un peu partout et on peut arriver à combler ces manquements comme ça. Il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas lire. Qui ne lisent plus. Actuellement, étant donné que les gens passent leur temps sur les
sur les tablettes, comme vous d'ailleurs. Les téléphones. Il faut qu'on essaie ça. De trouver un moyen pour que les vidéos soient vues. Okay. Et on lit et on apprend. Alors, depuis que vous avez démarré ce système assez innovant, cette formation si originale, vous avez pu peut-être encadrer combien de jeunes qui sont dans le secteur informel? Bon, les vidéos, vous disposez pas de chiffres. Bon, on n'a pas les chiffres. Est-ce que vous avez chiffres? Des retours quand même? Chaque jour, des appels. De la cible. Des appels, même des Sénégalais qui sont hors du pays. Mm-hmm. Ils m'appellent pour me dire, il faut que vous m'aidiez dans mon business. Mm-hmm. Mais je rappelle que je ne le fais pas pour gagner de l'argent. Mm-hmm. Tout ce que je peux faire, il me met en relation avec son fils, son frère, son neveu qui est au Sénégal. Je lui donne des idées pour que son business fleurissent davantage. Okay. C'est seulement ce que je cherche. Excusez-moi de vous couper. Est-ce qu'il y a des coûts de production quand vous organisez tout ça? Vous achetez du matériel ou bien vous avez une petite équipe qui vous accompagne pour filmer? Vous payez tous ces gens-là? Il y a des coûts de production. Mais je me dis que chaque Sénégalais doit quand même quelque chose au pays. L'État ne peut pas tout faire. Nous, on nous a aidés. Nous devons nous aussi aider nos jeunes. Nous devons aider les Sénégalais. C'est seulement ce que je cherche, rien d'autre. Vous êtes un bon patriote, hein? Vous êtes devant un tableau, donc j'imagine que vous parlez en français. Vous donnez des cours en français ou vous adaptez selon justement les personnes qui vous regardent. Est-ce que les cours sont donnés en Wolof? Parce qu'il y a beaucoup de Sénégalais qui travaillent dans l'informel et qui ont justement plus, limite, besoin de ces cours de marketing. Les vidéos sont en Wolof. La plupart des vidéos sont en Wolof. En Wolof. Ouais. Très bien. Et là, j'ai également invité des amis qui sont en Casamance pour qu'ils fassent des vidéos en Diola, en Serer, en Soninké, en Mandiak. Parce que aussi, la maman qui ne parle que Diola, qui exploite, qui vend de la mangue Casamance, actuellement, je crois, avec le pont, elles ont la possibilité de gagner du temps. Si, absolument. Il faut qu'elles sachent également comment vendre. Et je dis, il y a beaucoup de mangues, beaucoup d'oranges à Ziguinchor, mais est-ce qu'elles savent comment négocier? Est-ce qu'elles savent comment fixer les prix? Est-ce qu'elles savent comment conserver? Chacun a besoin d'apprendre. Oui, ça c'est vrai. Alors, à côté de cela, quand même, il y a des mécanismes publics qui existent pour peut-être épauler, mettre ces jeunes-là dans un circuit beaucoup plus formel. Oui, est-ce que vous comptez peut-être vous formaliser à votre tour, c'est-à-dire en bénéficiant peut-être de la tutelle de l'État par rapport à ce que vous faites? Oui. Parce que quand même, ça profite vraiment à beaucoup de jeunes. Dans un premier temps, je veux d'abord produire des vidéos en masse. Oui. Et dans les différents domaines de la gestion. Et une fois que ces vidéos seront disponibles, je vais passer à l'étape suivante qui va consister à vulgariser ces vidéos-là. Et là, vous aurez forcément besoin de soutien public. Oui, c'est ça. Pour que cela puisse profiter au plus grand nombre. Tout à fait. Okay. Donc, le soutien dont j'ai besoin, surtout, le soutien pour pouvoir vulgariser ces vidéos-là. Tout simplement. Mais sur le côté financier, alhamdoulilah. Okay. Donc, vous avez besoin de relais comme la RTS ou bien d'autres chaînes de télévision, pourquoi pas, faire des séances de démonstration. Pourquoi pas, si vous me donnez l'opportunité, je peux passer. Vous êtes en direct. Faites un appel à l'endroit du directeur général, Monsieur le directeur général, donc si vous pouvez nous aider à avoir quelques minutes, 5 minutes par semaine ou 10 minutes par semaine pour pouvoir, en rang national, communiquer avec ces jeunes qui sont autour de la RTS, qui sont à Koloban, qui sont à Sandaga, à ces mamans qui sont à Pout, à ces vendeurs qui sont à Sindia, à leur apprendre comment vendre, comment gérer pour pouvoir fructifier leur business. Vraiment, je compte sur vous pour pouvoir m'aider dans mon projet qui m'est très cher. Et je pense que c'est possible. Je ne demande absolument rien en retour, rien du tout. Même mon carburant, je le paie en venant. Ça, c'est important. Non, c'est, ça va plaider en votre faveur. Exactement. C'est possible parce qu'il y a évidemment différents plateaux sur la RTS où vous pourriez intervenir et dispenser les cours en langue juste après Quinquelibat. Vous le savez, il y a Diga Kerem. Bon, peut-être pas aujourd'hui avec l'inauguration de l'autoroute AIBD Mbour-Thiès, mais tous les jours, il y a ce rendez-vous-là sur la RTS et d'autres encore où vous pourriez intervenir et enseigner
le marketing, la comptabilité, la gestion de manière générale, à tous ces téléspectateurs qui nous choisissent un peu partout dans le monde. On va réfléchir autour de cela après 7h48. Merci d'être passé sur ce plateau. Vous êtes ce qu'on appelle un bon patriote, hein, je pense. C'est ça. C'est ça le mot pour vous décrire. Allez, on poursuit le magazine en restant avec les vidéos parce que c'est les buzz du net. Ça va vous intéresser également. Regardez, c'est juste après ceci. Gotta wake up early in the morning. Et le buzz du net, c'est avec Anta. Ma chère Anta, bon, Aline Badara, on la laisse faire sa chronique ou pas? Du regard. Depuis ce matin, on a décidé de commun accord que tu ne dirais pas grand chose parce que bon. Aïe, on va démarrer avec de la chronique et j'ai beaucoup de choses à montrer. Attention à ce que vous donnez aux enfants. Là, ça va. Exactement. Une vidéo qui est circulée sur la toile, vous pouvez la voir avec ces images. Alors, faites attention surtout le goûter qu'on donne avec ces enfants. Regardez bien, c'est les chips qu'on donne chaque matin aux enfants. Les chips qu'on a justement au goût de fromage ou encore de pizza au goût de pizza. Regardez bien, ce sont des chips qui prennent feu, qui ont été carbonisés par une dame qui a voulu tester en fait quel était justement ce produit. Alors on voit mais littéralement que ça brûle et que c'est un produit chimique. Et donc voilà, on peut voir ces flammes. Et aujourd'hui, cette vidéo a fait le tour sur WhatsApp et il y a eu un cri de guerre montrant à quel point nous ne sommes pas conscients de ce qu'on donne à manger à nos enfants. Je pense que Jeanne, bon, après je vais lui refiler cette vidéo, elle verra comment exploiter cette question-là. En tout cas, attention, elle a fait le plus d'aller pendant longtemps sur ce plateau. Donc voilà, attention à ce qu'on donne aux enfants. Ces chips, vraiment... Il y a mieux. Il y a plus naturel, il y a mieux la banane, les fruits, c'est très bon. Moi, je suis pour ça. Les fruits, c'est très, très bon pour les enfants. Le matin, une petite tranche de banane, ça fait du bien. Il faut habituer les enfants à manger les fruits et les légumes. Moi, je suis pour cela. Le goûter, c'est pas seulement les chips, ça. Franchement, il faut passer à autre chose. Cette vidéo qui a également fait le buzz sur la toile, c'est laquelle? Justement, on parlait d'enfants. C'est une vidéo qui montre à quel point on ne doit pas laisser leurs enfants à leur père. Regardez. Ah oui. Look at him. He can't get. Il n'y a que les papas qui font ça. Il n'y a que les papas qui testent, essayent de faire le tournis aux enfants et les laisser partir. Voilà. Même pas. Les mamans ne feraient pas ça. Non. Non, je pense pas. Même étant adulte, on nous fait tourner sur nous-mêmes, on marche, on tourne. C'est bien. Bon, les papas. C'est un moment très fusionnel entre un papa et son fils, quoi. Qu'on ne testera jamais, nous. C'est pourquoi on surveille tout le temps. Quand vous êtes avec les enfants, on appelle souvent. Ça va? Tout se passe bien? Est-ce que. Il a mangé? Il a mangé. Qu'est-ce que tu lui as donné? À manger et tout ça. On surveille derrière. Bon, on t'a. Prochain élément. C'est ce nouveau challenge qui inonde la toile en ce début d'année 2019. Attends, exactement. Pause. Bon, monsieur Sec, vous êtes au courant de ce nouveau challenge. Vous l'avez fait vous-même. Ouais. Et vous me montrez comme ça. Allume, tu regardes pour moi. C'est 2009-2019, c'est ça? Qu'est-ce que ça donne? Un grand changement. Un grand changement. Je regarde. Oh, mais vous êtes toujours aussi beau. Hein. Bon, toujours aussi élégamment habillé. Je ne sais pas si on peut voir ça. Mais c'est super bien fait. Hein. Enfin, le montage et tout. Moi, je trouve que ça va pour vous. Il y en a d'autres qui ont... Enfin, plutôt... Hein. Ça ne marche pas pour certains. Allume, Badara. C'est l'heure, hein? C'est l'heure fatidique. Bon, Anta, on y va. Alors, pour notre courage à demain. Qui a énormément fait le buzz, surtout pour ces femmes qui sont au fil des années dépigmentées la peau. Et donc, du coup, on voit des images, soit quelqu'un de noir en 2009, en 2019, quelqu'un de totalement clair. Alors, j'ai essayé de tenter le jeu avec les chroniqueurs de Quinquilibre. Je vous propose de regarder. En première image, nous avons Monsieur René Léon Fonseca.
qu'on a vu, hein, qui a un peu changé depuis 2009. Il a pris un peu de joue, ouais, mais il reste petit... quand même... Il a grossi, mais ça va, non? Ouais. Aline. Aline Badarakan. Ok, oh, ouais, ouais. Aline Badarakan, hein. Qui a pris un peu de joue. L'éternel jeunesse, ça. Et là, je demandais un stop, parce qu'il reste une dernière image, et c'est l'image choc de Kenkeliba. Alors, vous savez comment ça a été en 2009? Je vous propose de regarder tout de suite. Oh, de Sarah. Aïe. Bon, elle a complètement changé. Ça va, non? Bon, j'ai pris du poids entre temps. Bon, mais je regrette quand même de ne plus être comme ça parce que bon, les 50 kilos, 45, c'était bien. Là, c'est passer les 60 kilos, c'est. La natation, ça peut m'aider à maigrir. Bon, j'aimerais bien revenir contre, à mes... Par contre, Massamba, j'ai cherché sa photo. T'en as pas trouvé? J'ai pas trouvé. Je sais pas comment il s'est débrouillé pour ne pas en avoir bon. Sur Facebook, mais... Il y a d'autres membres dans l'équipe en ça. Je vais te refiler les photos pour que les chal... Mais bon, pour être peut-être revenir rapidement sur ce sujet, toujours, quel est, je sais pas, l'intérêt de ce challenge? Moi, j'ai pas voulu le faire parce que je me demandais... Pourquoi. Alors, il y a eu beaucoup... C'est pas juste du suivisme. Il y a eu beaucoup de polémiques autour de ce challenge. D'aucuns disent que c'est pour montrer justement l'évolution en 10 ans, que ce soit une évolution physique, professionnelle ou dans la vie de tous les jours. D'autres disent justement, comme tu viens de le dire, Sarah, que c'est plutôt du suivisme, plutôt du voyez-moi également, pour montrer ou pour assumer... je sais pas, une évolution positive, on va dire, de la personne. Et donc, voilà, ça a été beaucoup critiqué également sur Instagram. Et puis, voilà, ouais. Apparemment, bon, ça reste un challenge comme les autres. Hein. Mmh. Bon, oui. Moi, j'ai pas bien compris. J'ai pensé que c'était à la suite de la dernière chute de Modulo face à Balagué, histoire de rappeler un peu la précédente chute, un peu l'évolution, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps. En quoi la dernière chute est beaucoup plus spectaculaire que l'autre. Moi, j'ai pensé que c'était que ça. C'était parce ça, qu'automatiquement, juste après ce combat, j'ai vu quand même ce challenge-là. Plein de gens le faire. Voilà, plein de gens le faire, quoi. Je pensais que c'était lié un peu à cela. Bon, vous l'avez fait pourquoi C'est ça. À blesser. Voir ce qui j'étais avant. Et qui vous êtes devenu. Bon, très bien, d'accord. Bon, allez, on va finir ce matin avec cet internaute qui a également fait le buzz en cette fin d'année, Antin. Exactement, fin d'année 2019. Ce sont des vœux que l'on souhaite à ses followers. Parce que ce monsieur qui est sur la toile, qui poste parfois des vidéos, a des followers, il a des personnes qui les suivent. Je vous propose de regarder cette vidéo de vœux de cette année 2019. Voilà, tout mon fan, tous ceux qui m'adorent, tous ceux qui me comptent là, j'ai fait cette vidéo-là pour vous souhaiter mon meilleur vœu. Je ne voulais pas faire la vidéo là, mais comme il va faire ça pour vous dire merci, grâce à vous là, aïe, Chambiga, les choses ça va avancer, c'est en train de reculer devant sur le mât. Tout mon chose là, ça recule devant sur le mât. Je vous dis merci pour ça. Et puis, il est en train de faire cette vidéo là, pour dire aussi merci à tout mon fan club, vous qui êtes dans mon face, vous aussi qui êtes dans WhatsApp là, après vous aussi qui êtes dans mon Twitter. YouTube, vous qui êtes dans YouTube, avec mon Twitter, ah, vous qui me suivez dans les réseaux sociaux là, je vous dis merci. Et puis, je profite en même temps de cette même occasion là pour vous souhaiter mes vœux les meilleurs, santé, prospérité, succès dans tout ce que vous entreprenez, succès seulement, beaucoup de succès dans tout ce que vous faites. Et puis, tout ce que 2018 il n'a pas pu faire, au pire 2019, il a vu ça, il est pressé de venir là. Quand il est arrivé, il n'a qu'à envoyer tout ce que 2018 a oublié là-bas. Là. Il n'a qu'à nous envoyer ça. Et puis il n'a qu'à ajouter bonus dedans. Donc je vous souhaite ça, vous tout le monde. Merci beaucoup. Et beaucoup merci. Reculez devant sur moi. Dieu au contrôle. Mon Dieu, Boukari. Boukari. Reculez devant. Tu Twitter. Twitter.
les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, tout simplement. Elle a voulu dire Twitter. Bon, après, il est suivi, cette photo a été énormément partagée. Pourquoi? Par son humour, par ses mots qu'il écorche, ses mots écorchés. Ça a vraiment amusé la toile, ouais. Sarah. On a adoré. Merci beaucoup, Antoine. On a terminé sur une belle note ce matin, ta chronique. On a 3 minutes avant la fin du magazine et nos invités vont se les partager. D'abord, monsieur Soum, hein, on va revenir avec vous sur rapidement l'actualité du transport. Aujourd'hui, on inaugure un autre tronçon, l'autoroute AIBD Mbour-Thiès. C'est encore pour vous, je disais tout à l'heure, vous étiez gâté. Qu'est-ce qu'il reste à faire? Oui, en fait, je dois dire que d'ailleurs, cette localité, le tronçon Signambour, j'habite là-bas, c'est ma localité. Donc, je peux dire que je suis doublement vraiment gâté parce que non seulement je suis routier et j'habite cette localité. Donc, vraiment, nous félicitons le chef de l'État qui est en train de beaucoup de faire hein, au niveau du secteur des transports. Ça, il faut le reconnaître. Mmh. Vraiment, nous en réjouissons vraiment. Mmh. Bon, nous attendons nous aussi les retombées. Hein. Oui, allez, merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. Le patriote sur le plateau, le vrai et le bon patriote, Abdoulaye Seck. Alors, vous comptez vous déplacer pour aller, par exemple, dans les marchés à la rencontre des populations aussi, pour échanger avec elles ou pas? Oui, je suis prêt à tout faire, si j'ai le temps, d'aller vers ces Sénégalais, où qu'ils soient. Même à Ziguinchor, parce qu'actuellement, ils ont la possibilité de livrer en 5 heures, ce qu'ils disaient tout à l'heure. C'est ça, tout à fait. La mangue de la Casamance, les oranges de la Casamance, tous ces mads que vous adorez tant. Ah oui. Il faut qu'on leur apprenne à gérer. Et vous avez raison. Voilà, c'est ça. On a réussi à aller vers eux pour leur montrer. Je ne serai pas seul d'ailleurs, vous allez m'accompagner. Ceux qui sont bons en communication, ceux qui sont bons en finance, ceux qui sont bons dans tout. Vraiment, je vous invite à venir les aider, à venir produire des vidéos pour les... Vous avez raison, vous ne prenez que le bon. On a reçu ce message de Rokhaya Ndour pour vous. Hein. Elle dit « Bonjour Sarah, juste pour témoigner sur Monsieur Seck, mon prof en 2006 à ISCOM. Il a toujours été ainsi, au service des autres. Il nous donnait des cours gratuits alors qu'il était encore étudiant. Un grand merci à ce monsieur. » C'est Rokhaya Ndour qui nous a envoyé ce message ce matin sur notre page Facebook. C'est 12.